Alors, notre granité cidre, donc avec un cidre brut du Gorvelo. C'est un cidre fermier ? Oui. Bon. Local. Oula, c'est prêt. C'était chaud, hein ? C'était chaud, mais c'est bien. C'était chaud. Il y a un côté machine à vapeur qu'on aime bien, là. Hop. Donc, une partie d'un miel de sarrasin. Puisque du miel de sarrasin. C'est lui qui va nous donner. Je peux goûter juste avec le bout du doigt parce que je ne connais pas le goût du miel de sarrasin. Et du sucre. Donc, vous voyez, je n'ai pas mis la totalité. Ah bah ça oui, ressemble bon, un petit peu à la bruyère, c'est-à-dire un peu amer et puissant. Voilà, c'est ce qui va faire notre particularité, une belle association avec le cidre. Donc, je ne vois plus de cristaux de sucre. Voilà, tout est dissous. Je verse le reste du cidre et je vais le verser dans un plat. Alors, le plus fin possible. Ah oui, voilà. Le plus étalé possible, tu voilà, veux dire. Parce que si je le congèle dans un verre ou dans un contenant trop haut, comme tout à l'heure, je vais le congeler. Alors, je vais le laisser se graniter dans le plateau, minimum 12 heures au congélateur. Alain, je tiens à vous le signaler si vous nous regardez. Alain, il a certes 7 boutiques, je crois, hein, dans le Morbihan, mais surtout atelier, une école voilà. De la glace à l'usage des amateurs. C'est hein, ça, avant tout. Ouais, cette recette-là, on l'a fait... En direct avec les personnes, parce que faire de la glace sans machine, sans matériel, sans turbine sans à glace, turbinage, oui. On a toujours des recettes avec machine et des recettes sans machine. Et donc, les sortes de tiers, ça... Ah voilà, t'as juste, en fait... 12 heures de congélation. 12 voyez. Heures de congélation, peut-être même moins, hein, au bout de 6, voilà, si c'est assez étalé, ça doit suffire. Si c'est assez froid, hein, oui. Vous voyez, j'ai un petit centimètre de paillettes, et tout de suite, en grattant ma glace, et donc après ça, vous pouvez la garder au congélateur. Ça ne va pas refiger. Si vous la gardez bien au frais, aucun souci. Alors, c'est du sucre à cuire. Donc, on a mis de l'eau et du sucre. On va réaliser une meringue. Ah oui, une meringue italienne. Italienne, voilà. C'est-à-dire avec sirop de sucre chaud sur notre blanc d'œuf. C'est ça, sirop de sucre cuit à 118 degrés. Je le verse sur mes blancs. Avant que ça monte, on fait mousser un tout petit peu les blancs. On fait un tout petit peu mousser les blancs. Voilà. Dès que c'est un peu mousseux, on commence à verser le sucre chaud. Voilà. Et on verse le sucre sur les blancs, toujours sur le bord de la bassine. Voilà, là on peut arrêter. Voilà. En fait, on en a fait une d'avance, c'est celle-ci. Voilà, qui est froide maintenant. Et qui est bien blanche. Qui est juste froide. Et avec une bonne texture qu'on appelle mousse à raser. Vous voyez, on a une texture bien blanche, ferme. C'est formidable. Puisqu'il faut qu'elle soit froide, puisqu'on va l'associer avec une crème montée. Donc elle est, vous voyez, elle est souple. Oui. Parce qu'il faut que tous mes ingrédients, ma meringue qui a la même texture, et la ouais, crème sinon... montée... Et les fraises. Il faut à peu près que ça soit à la même densité. Texture, ouais, densité. Ça, ouais. Ouais. Si j'ai un mou et un dur, fait de tout mélanger, tout va devenir mou. Donc l'objectif, c'est d'avoir des textures identiques pour d'accord. avoir un mélange d'accord. bien moelleux et homogène. On va mélanger. Donc, nos fraises fraîchement mixées. Oh, elles sont fluo, tellement elles sont rouges. Oui, et puis elles sont crues. Hein. C'est juste mixé, oui. Cru. Hein, on a pas juste fait les fraises. Voilà. Voilà. Une belle marée. Aucune cuisson, rien, pour avoir le parfum total du fruit. Oh là là, quelle merveille. On a ajouté notre meringue italienne, donc au sucre cuit. Voilà. Donc on a nos trois ingrédients et notre mousse fraise. Ça donne salement envie, Alain, déjà, là, tu vois. C'est l'objectif, d'ailleurs. Ah, oui, oui, mais c'est terrible. La hein. couleur, tout va devenir très gourmand. Et on pourrait presque le congeler, ça, et ça ferait comme un parfait, un peu. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, on va la congeler. D'accord, oui, d'accord. On est toujours dans notre dossier glace, donc oui, c'est de la mousse glacée. Bien sûr, mais glace sans turbine. Voilà, la différence ici, c'est qu'une turbine va nous incorporer de l'air lors du mélange. Ici, l'air, on l'a ajouté par la crème montée, et par la meringue. Et donc, la congélation va se faire maintenant dans le congélateur. Merci. Alors, pour accompagner nos glaces, on a prévu un petit sablé, un sablé avec nos 5 céréales bretonnes. Donc, chouette. On va rapidement faire notre mélange. Les céréales bretonnes, le best-of. Sarrasin. Ah, être voilà. Dû. Voilà. Donc, le blé noir. Hop là. Le beurre qui est al dente, hein, là, il est... Ah là, on le voulait pommade. On le voulait pommade, c'est parfait. Voilà. Extra. Donc, on mélange notre masse. Ouais. Et puis donc, on va mettre, hop là, notre et on n'a pas mis de sucre. Voilà. Hein, on n'a pas mis et de sucre. Et le sucre. D'accord. Et donc, nos agrumes, où on va récupérer le parfum, le zeste... Et pas le zeste en fait, toute la partie aromatique de notre citron. C'est le jaune. Voilà, c'est le jaune.
D'accord. Et un peu un petit peu d'orange aussi. Voilà. Non traité, hein, c'est mieux. Alors. Bio comme ça, où on les lave avant pour être sûr d'enlever le traitement. Voilà. Donc voilà, notre mélange de pâtes, on va la mettre au frigo puisque le beurre, oui, avait besoin de se raffermir. Hein. Et vous voyez, on a tout de suite notre pâte qui est prête ici. Vous voyez, on voit les petits zestes d'agrumes. On va les découper en fingers. Et donc, à la suite, on va cuire notre sablé. Vous verrez ce format sablé. Finger, moi, pour les sablés, c'est voilà, sympa, parce qu'en fait, l'idée de ce finger, cuit, on le trempe dans le caramel. Et ça fait mouillette quelque part, croustillant, parce que l'objectif d'un sablé, c'est qu'il soit croustillant et pas croquant. Donc ce sablage, il contribue à sablé, quoi, chose. Sablonneux. Voilà, sablé. Donc 180 degrés, ouais. 20 minutes. Ouais, après, tout est variable selon la taille de vos pièces. J'emporte au four. On met au four. Allez, youpi. Et ça va être prêt à déguster. Super. Soyez sages. Donc on a notre parfait fraise en fait. Voilà, notre parfait glacé fraise, puisqu'on l'a mis dans la verrine. Il a glacé, maintenant il est bien fait. C'est ça, un petit peu ferme. Notre granité grattée tout à l'heure. Et puis on va décorer avec nos petits sablés finger cuits. Sablé finger au sarrasin, au blé noir. Que on c'est a ce joli. Côté croquant, pailleté avec le granité pomme cidre. Le petit sablé qui va vous permettre de piocher dedans. Et puis les fraises, Alors, selon la coutume, je vais passer la marche au baron qui va donner son micro à Bernadette afin de pouvoir goûter à cette préparation. Et je pense qu'il ne passe pas son tour, Marc. Voilà. Bernadette, comme ça, moi, je vais t'en poser un également. C'est gentil. Merci, Vincent. Merci, chef. C'est formidable. Alors, allez-y. Marc. Non, on vous a invité parce que vous avez plus que des quand même. Il faut mettre des adjectifs, il faut trouver des mots. Non, le cidre, c'est vraiment. C'est local. Granité, en fait, c'est ce côté pailleté qui est voilà. Très sympa. Et tout de suite, c'est le cidre qui surgit. Et puis ensuite, après, il y a la fraise. Non, là, c'est tout pour lui, ça. Ça c'est bon. C'est pas pour les autres. Ouais. Formidable. Mmh.